Bah, c'est le manège qui nous manquait. On avait déjà la carrière, on avait déjà la longe, on avait déjà la piste, on a un petit cross qui est en travaux. Il nous manquait un beau manège, et bien voilà, vous l'avez. À partir de demain, il va être à vous. Et puis à tous ceux qui ont aidé depuis 3-4 semaines, qui ont fait que bah, cet endroit est comme ça. On va vous demander d'accueillir Francis Pack. Bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu de la construction du bâtiment. On a commencé en janvier de cette année. On a commencé donc par un terrassement général, bien sûr, que comme vous voyez, est largement en pente. Donc il a fallu d'abord faire la plateforme. Donc cette plateforme est assez grande, puisqu'elle fait pas loin de 3500 mètres carrés. Et on l'a convertie, on a mis le dos de la grave et on a stabilisé le terrain. Après, on a fait nos fondations. On a coulé pas loin de 100 mètres cubes de béton pour pouvoir asseoir toutes les porteurs que vous voyez, les IPL, de part et d'autre, avec une portée de 23 mètres. Donc vous avez 23 mètres en largeur. En longueur, 64 mètres. Voilà. Et le total du bâtiment représente environ 2000 mètres carrés. Celui qui a coupé au moment et qui nous fait l'amitié d'être ici. Alors il y a d'autres élus, j'ai aperçu le maire de Béral, j'ai vu aussi M. Bouchard, le maire de Castel. La parole est d'abord au maire de notre commune, c'est le maire de Saint-Sauveur, M. Sixte, qui arrive maintenant. Merci beaucoup d'être présent. Est-ce qu'on vous a donné des idées pour la faire livrer l'année prochaine? Voilà, ça c'est la question. Merci. C'est une très bonne question. Décidez pour la féminité, sûrement qu'on va avoir ensemble et je pense qu'on va en faire un côté plusieurs fois pour mettre un propos de la vie. C'est la très bonne question. C'est une année de travail dans laquelle vous avez partagé votre passion, vos chevaux et de la compétition avec l'ensemble des jeunes cavaliers qui ont évolué dans tout le centre. De la vérité confiance et de aujourd'hui, la tête de votre entreprise, qui comprend un moniteur, un salarié et un apprenti. Alors, pour tout cela, je vous félicite et vous souhaite toute la réussite possible dans mon projet présent et futur, et surtout la chance de mon métier total. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci d'être présent aux deux autres élus, sincèrement, nous a droit au cœur que vous soyez présents, même sur les communes juste à côté. Merci beaucoup, merci à toutes les entreprises, parce que je sais que vous êtes tous, j'ai vu beaucoup de gens qui tiennent des entreprises sur Saint-Cyprien, sur les alentours. Si vous voulez vous fabriquer des choses comme ça, vous êtes les bienvenus. On n'a pas encore cette année, on a décidé de ne pas encore de faire de concours officiel. On veut se faire la main à la fois sur le manège et à la fois sur la carrière. Ça demande une grosse organisation de faire des concours. On a laissé encore une année. À partir de la saison 2018-2019, il y aura des concours officiels. Donc sachant déjà que le nombre de personnes qui nous suivent sur Facebook, avoir une petite publicité magnifique comme ça, vous êtes les bien de ça. Merci à tous pour toutes les entreprises que vous tenez, quand on a des concours, ne serait-ce que nos petits concours internes qui permettent à plein de cavaliers de commencer et d'aller après vers des concours officiels, de nous fournir des lots absolument extraordinaires. L'année dernière, on a récompensé au mois de juin tous les cavaliers et du challenge et du championnat du mois de juin. Ils ont été gâtés. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Ça, c'est bien. Non. Numéro 1. Monsieur Bouchard. Merci d'être présent déjà. Bonjour à tous, simplement deux mots, puisque je pense être, à mon idée, quand même, l'installation est sentie. Je suis très très fier de ce qu'elle fait, pour le grand mot. Merci.
messieurs les élus, merci Francis, un petit mot. Oui, pardon, j'ai pas vu. Simplement, félicitations pour cette belle réalisation. En fait, je vous dis, c'est dans le faubourg de Meyrane. Ah oui. Ah oui. Et on est plus satisfaits de pouvoir avoir ce bel ensemble qui aujourd'hui obtient de bons résultats également, à proximité, et puis sur nos territoires intercommunal également. Pour ça, félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous tous. Bravo, compagnon de l'applaudissement. Je vais rester en vie avec moi, parce qu'avant de faire entrer le premier cavalier à fouler le sein de ce manège en votre présence, je vais appeler juste pour une petite photo tous ceux qui nous ont aidés cet été à travailler, tous ceux qui vont nous aider sur la saison 2017-2018. Je vais les emmener dans le désordre, j'espère que je ne vais pas m'oublier. Je veux demander d'applaudir Mathilde. Eve, qui est notre VPGEPS sur la saison prochaine. Elisa, notre stagiaire, sur le collège de Sarah. Et où Elisa? Elisa, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Elisa. Une belle journée. Et là, vous allez pouvoir monter parce qu'on a fait une scène. C'est pour vous. On vous fasse une belle photo. Christopher. Qui a un peu bossé dans le manège depuis les dernières semaines. Cynthia, Chantal, le nouveau Francis, Olivier. On a à la fois ceux qui nous ont aidés, qui ont fait la saison qui vient de se terminer, parce que nous, les journées portes ouvertes, c'est à la fois la saison d'été qui s'achève et à la fois la saison 2017-2018 qui commence. Et à la fois Eve qui va commencer, qui commence maintenant, et Lisa aussi qui commence maintenant au centre équestre pour devenir disponibilise l'équitation, on l'espère, dans un an, deux ans. Dans deux ans, voilà. Et puis Lisa, notre stagiaire. Vous pouvez les applaudir très fort et se manège et tous participer de près ou de loin. Vous pouvez les applaudir avec tous. Bonne soirée, on va faire une belle photo. Sandy, allez, il me faut que tu t'approches. La directrice du centre équestre, Sandy Pax, s'il vous plaît. Donc tout d'abord, merci à tous d'être là. Merci à tous de partager avec nous l'un des plus beaux épisodes de l'aventure Équipe Périgord, avec l'inauguration de ce manège ouvert qui donne dès aujourd'hui une nouvelle dimension au club. À mon arrivée en 2011, je voyais s'accomplir un rêve. 6 ans plus tard, le rêve se poursuit en plus beau et en plus grand. Mais au-delà des infrastructures, dont le niveau assure le bien-être des poneys, des chevaux et des cavaliers, le club raconte aussi l'histoire de rencontres équestres, humaines et sportives, avec tous ceux qui partagent le même rêve, la même passion. Depuis 6 ans, l'aventure est vécue par toutes les générations, les anciens, les ados et les enfants. Les enfants qui sont devenus ados et avec qui j'ai pu vivre des moments forts. Cela se passe au quotidien pendant les cours, les dimanches, pendant les concours, en vacances, pendant les stages, et même en été, jusqu'au championnat de France à la Côte de Rome. Au loin, pendant les randonnées mémorables, entre les boxes, le petit manège des Chefflandes, la carrière, le clubhouse et les espaces qui les entourent pour les jours de fête et de manifestations diverses, dont les concours internes ou encore la fête du club. Aujourd'hui, c'est avec vous que ce rêve continue. Avant de poursuivre cette inauguration et en respectant les règles de la convivialité, je tiens aussi à remercier les élus pour leur présence ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette journée. Bravo.